Défonce à soucoupe ou bien de son volcan, pour voler bien et voter tant. Il était temps d'ailleurs. Zen nous revient parmi les siens. Amenez-moi 300 000 euros et je vous donnerai les secrets de l'univers. Il y a 75 millions d'années de cela, un extraterrestre nommé Xenu, c'est-à-dire moi. J'ai été libéré d'une prison dans les Pyrénées où des officiers renégats m'avaient mis. Mais j'ai réincarné ce corps de gros con de clown et je suis à l'intérieur parce que Xenu m'habite désormais. Xenu m'habite. Oui, il est à l'intérieur. Non, madame. Mais j'ai dit que Xenu m'habite, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de moi. Vous aviez compris? Oui, voilà. Xenu est à l'intérieur de moi. Et vous allez devoir payer 300 000 euros pour connaître ce secret pour votre bien-être. Car, comme vous le savez, les conseils pastoraux ne sont pas donnés. Ce n'est pas une religion pour tout le monde. Alors, vous abîmez le fric ou sinon. Eh, c'est pas une église de chômeurs non plus. Hein. Bienvenue dans l'église de Xénologie. 72 heures par semaine. Merci. C'est un minimum. Merci, merci. Il est très intéressant de rappeler une autre affaire. C'est que M. Hobart lui-même a prétendu, tenez-vous bien, a prétendu être la réincarnation de qui ça? De qui donc? Le Bouddha. Le Bouddha. Ce gros Bouddha de Hobart a prétendu être la réincarnation de Bouddha. Vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. En scientologie, le moindre document vaut très cher. C'est un développement personnel, mais c'est surtout le développement personnel du gourou américain qui est un monsieur qui aime beaucoup le malt, qui aime beaucoup les boissons écossaises, qui recommande à ses adeptes de ne pas boire, de ne pas prendre de médicaments. Mais ce qui est assez amusant, c'est que les gourous eux-mêmes sont souvent les premières victimes de leur propre éthique. Et donc, par exemple, Ronnie Barr et Toc. Monsieur Ronnie Barr, par exemple, quand il est décédé, dans une prise de sang, on a trouvé des traces d'un puissant psychotrope qui s'appelle le Distaril. Alors que c'était une personne qui conseillait à ses adhérents et à ses paroissiens de ne prendre aucune drogue, et même un aspirine. Vous savez que lorsqu'on prend un aspirine, on ne peut pas ensuite aller faire une audition parce que ça pourrait perturber la recherche spirituelle. Tu as quelque chose à ajouter? La scientologie prône la purification pour des enfants. Vous vous rendez compte de prendre 10 000 unités de chaque vitamine à des enfants et de la niacine 5 heures par jour? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La scientologie est une organisation criminelle et c'est un énorme business qui nous vient des États-Unis. C'est inadmissible qu'en France, une secte pareille soit tolérée. Notamment au Danemark et aux États-Unis. La scientologie enferme leurs adeptes récalcitrants pour qu'ils ne témoignent pas. Je le sais, j'en étais témoin aux États-Unis. Vous êtes dangereux. Vous enfermez des gens contre leur gré et vous êtes une secte criminelle. La scientologie pratique la doctrine de déconnexion. Famille déconnectée si on n'est pas scientologue. Quelle religion prône la déconnexion de famille? Quelle religion brise ainsi les familles? Les enfants des mères, les époux de leurs épouses, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tout ça parce qu'un gourou malade, schizophrène, a écrit cette doctrine que les scientologues suivent comme un dogme. Mais c'est du lavage de cerveau. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très dangereux. Comment une secte pareille peut-être tolérée sur le sol français? J'ai honte pour le gouvernement, j'ai honte! Quand on sait qu'ils ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée, comment se fait-il qu'ils aient pignon sur rue? Honte à vous! La scientologie à travers le monde entier ne devrait pas avoir droit de citer dans des pays dits des droits de l'homme. Parce
parce que c'est la destruction de l'individu, de la vie, du monde, de la vie, de l'individu. Vous pourrez vous dire que quand vous rentrez en scientologie, vous devez presque immédiatement accepter de lire un document en 10 points qui s'appelle « Comment faire en sorte que la scientologie continue à fonctionner ?» Mais la curiosité, c'est que par exemple au point 3, eh bien il est remarqué, il est noté que vous devez admettre que vous savez que la scientologie fonctionne. Ah ben ? Et vous savez comment qu'elle fonctionne ? Vous avez encore rien fait ou quasiment rien ? Et on vous dit, ah oui, ça va durer des années, ça va coûter peut-être très cher, mais ça fonctionne. Et donc d'emblée, vous êtes obligé d'accepter ça. C'est du n'importe quoi, façon scientologie. La cassation ! Condamné, condamné, condamné. Pleasure, pleasure.